Dernière séance pour les spectateurs du Festival du cinéma espagnol. Cet après-midi, ils étaient nombreux à venir en profiter. Des aficionados conquis par cette 21e édition. Expérience extraordinaire. On a pu voir plein de films différents. On a vraiment découvert des aspects très originaux du cinéma. Pour moi, c'est génial. J'attends chaque année l'édition, que ce soit le festival anglais, italien ou espagnol. Donc voilà. Nous disons à l'année prochaine. Le prix du jury professionnel revient cette année à La Novia del Desierto, une comédie sociale argento-chilienne sélectionnée à Cannes en 2017 dans la section Un certain regard. Qué poca rota tiene encima, eh. Se acostumbra que el copiloto, si no es conversador, por lo menos hace unos buenos mates. Y no tomo mate, ni soy conversadora. Disculpe. Au total, 19 longs métrages étaient présentés, dont 6 en compétition, une programmation plutôt portée sur les films d'auteur. Il y a eu une petite baisse de fréquentation, hein, donc les gens sont assez contents, mais ils regrettent toujours qu'il n'y ait pas de comédie. Alors on va essayer d'améliorer ça, mais lorsqu'il n'y en a pas sur le marché, donc il est difficile de les programmer. Il vous reste quelques heures pour profiter du festival. La dernière projection se tient à 21h à l'Espace Diamant.